En conscience. Franchement. En conscience. En conscience, je le crois. Et il n'aime pas la France, il est anti-français. Il n'aime pas ce qu'est la France, ses racines, son histoire, sa culture, son identité. Je ne dis pas qu'il est anti-français. Je pense qu'il a une vision qui dépasse les frontières de la France. Et il a une vision internationale, il a une vision qui est un peu... universelle. Universelle, déracinée. Je crois qu'il... Il regarde la France comme un élément dans une partie plus grande, plus importante. Moi, je considère que c'est la France qui est la part la plus importante. Et c'est pour ça que j'ai dit ça. Oui. Ça vient d'où ? C'est le crime contre l'humanité dont il a accusé la France par rapport à sa présence en Algérie. C'est la négation de l'existence d'une culture française. C'est son discours de Lyon en 2017, réitéré à Londres. C'est sa volonté annoncée sur CBS de déconstruire l'histoire de France. Vous conviendrez qu'il y a des éléments convergents qui me font dire que il préfère l'Europe à la France. Bien. Et c'est cette affaire du drapeau. Voilà, l'affaire du drapeau. Je vais y venir vite fait.